Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, Nathan n'a pas été là malheureusement. Donc la deuxième saison du podcast Le Match Ultime commence. Donc pour le premier épisode de la deuxième saison, on reçoit Corby du Corbcast. Salut mon Corby! Salut mon chum, ça va bien? Ouais toi? Ça va très bien, merci. Yes! On va commencer. Commence par te présenter. Let's go. Ben ouais, avec plaisir. Mon nom, c'est Corby. Je suis animateur du Corbcast, comme tu l'as mentionné. Un podcast qui fait découvrir des personnes passionnées. Il y a autant des humoristes, des musiciens. Bref, il y a toutes sortes de personnes qui viennent à mon podcast, ce qui fait que c'est merveilleux. Entre-temps, dans mes épisodes, en fait, j'aborde le sujet de leur réussite, mais aussi des échecs qu'ils ont dû faire face pour se rendre où ils sont aujourd'hui. Puis des fois, ça dérape, des fois, ça vient au sujet de façon sérieuse, mais c'est la beauté des podcasts. Ah, c'est bien ça. Yes. C'est parfait ça. On va commencer par la première question. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de te lancer le podcast, le Corbcast? C'est une très bonne question, puis je pense que c'est pas tout le monde qui est au courant de où ça partit, en fait, l'idée d'avoir un podcast. D'une part, ça fait environ 2 ans que je mijotais l'idée, mais ce qui m'a vraiment donné le coup de pied dans le derrière, c'est quand je me suis fait greffer, parce que moi, j'étais un greffé rénal depuis le 29 janvier 2022. Puis ça m'a fait réaliser en fait que je suis une personne qui fonce dans la vie puis qui est surtout résiliente. Puis j'ai un côté très curieux dans la vie, fait que je me suis dit pourquoi pas rencontrer des personnes justement qui ont des cheminements différents comme le mien, puis discuter à travers ça des choses difficiles mais aussi des réussites. Je mets surtout une touche d'humour à travers mes podcasts avec un côté décontracté, fait que on y va de cette façon-là. Mais l'idée de base là, c'était d'une part parce que j'adore parler avec les gens, j'adore rencontrer des gens aussi, fait que c'est un peu un mélange de tout ça qui a fait que la décision a été prise aussi. Ah ben c'est parfait ça. En tout cas, je te souhaite un bon succès pour ton podcast. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Je sais que je me rappelais quand j'avais connu ton podcast, c'était Seb Gadou dans le fond qui avait passé au podcast dans le fond, de Sur la bande dans le fond. Ouais, exactement. Seb qu'on salue d'ailleurs aujourd'hui. Ça fait en fait Seb pour savoir que ça fait la deuxième fois que je reçois. Une petite primeur en fait, c'est que le 14e épisode, ça va être lui. On a fait un spécial au Sagittaire Resto Bar à Val d'Or. Parce que moi je viens d'Abitibi, tout comme Sébastien. Puis, par l'entremise de ça, c'est le deuxième épisode qu'on tourne ensemble. Puis, Seb, c'est vraiment une très bonne personne. C'est con à dire, mais tu sais, je reconnais qui sont les vraies bonnes personnes, qui sont les moins bonnes. Puis, Seb, c'est une très bonne personne. Puis, son projet aussi est autant intéressant les unes que les autres podcasts que je découvre. Fait que, ouais, Sébastien, ça a été vraiment un très bel invité. Puis, j'étais autant content de le recevoir aussi en personne. La dynamique est vraiment différente en personne hein, qu'à distance comme ça. Là, tu sais, la dynamique est différente. C'est, des fois, le sujet déborde du plein d'affaires, comme je disais tantôt. Fait que ça, qui est cool, là. On sait jamais où ça peut nous amener, autant à distance qu'en personne. Ah ben c'est bien ça. Moi aussi, Seb aussi, je l'ai trouvé très gentil. Même aussi, ça fait depuis 2 ans que je le connais, dans le fond, depuis 2021. Puis moi, je l'ai remarqué que c'était une très bonne personne. Il avait l'air à être une bonne personne. Puis c'est, ouais, une très bonne personne, t'as raison. C'est une très bonne personne. Ouais, toi moi je vais te poser une question. Toi, tu viens de quel endroit? Moi, je suis dans le Bas-Saint-Laurent. Dans le Bas-Saint-Laurent, OK. C'est pas à côté, comme la BTB, c'est pas à côté non plus. Mais continue à faire ce que tu fais, puis continue à travailler fort, continue à améliorer des affaires, puis tout le monde qui désire avoir un podcast puis qui désire d'être vu va toujours arriver à ses fins, c'est sûr et certain. Il faut juste travailler fort, continuer à être constant dans ce qu'on fait dans notre podcast. Changer certaines choses, c'est la priorité aussi, parce que faut innover à chaque épisode. Pardon, c'est ça qui est pas facile. Effectivement. Ouais, ben, je sais que. Ouais, en tout cas, merci pour le soutien, mon Corby, pour ça. En tout cas, c'est vraiment hot. Moi, la raison pourquoi est-ce que j'ai commencé à starter
C'est ça. Je voyais qu'il y avait. Ben, je sais que je suis sur TikTok, moi. Puis, je sais que je suis comme un peu dans une communauté. Puis, il y avait beaucoup de podcasts, dans le fond. Puis, moi, je me suis dit, oh, pourquoi pas? Ça me tente de m'en lancer un. En plus, ben, je sais que sur la bande, il m'a comme un peu donné l'idée à me lancer un podcast. Je sais que, v'là 2 ans, je m'en avais lancé un, mais c'était en live Facebook, mais finalement, ça avait pas marché. Mais finalement, avec ce podcast-là, je m'en suis lancé un autre. Le match ultime, au moins, ça a plus fonctionné, là. Ouais, c'est une très bonne idée, puis en plus, tu sais, t'as su garder en tête que ça a pas fonctionné la première fois, puis t'as gardé tête, là, tu sais, t'as décidé d'innover, changer un peu le concept. Tu disais que c'était en live sur Facebook. Moi, j'ai jamais essayé en live sur Facebook, mais je sais que certaines personnes ont tenté de le faire. C'était pas la meilleure chose, mais tu sais, là, t'as StreamYard, ça fonctionne super bien, c'est parfait, fait que, tu sais, faut juste vraiment être dans la constance, puis pour vrai, c'est la clé, là. Ben oui, c'est très bien, ça. Yes. On va passer à la deuxième question. Là, ça a un peu rapport au hockey. Je sais pas si tu as vu ça. Gino Ojin, qui est malheureusement décédé. Ouais, Gino Ojik, qui a été un joueur assez marquant dans ma jeunesse, je t'avouerais. Tu sais, comme plusieurs joueurs qui ont été marquants, le Gino Ojik a été l'un d'entre eux parce que tu sais, c'est un bagarreur. Tu sais, ça a été un bon goon, Gino Ojik. Puis c'est drôle parce que qu'est-ce qui marque, c'est sa dentition. C'est plate à dire, mais la dentition, elle marque beaucoup chez Gino Ojik. Mais pour revenir à l'histoire de façon plus sérieuse, c'est quand même très triste que c'est arrivé. Il est décédé quand même jeune, si je me trompe pas, 52 ans, c'est ça? Oui, 52 fait que, ans. Tu sais, c'est quand même très triste de ce côté-ci. Tu sais, je ne sais pas si d'emblée il y avait des problèmes de santé ou non. Mais quand même, c'est des choses qu'on souhaite pas à personne. Fait que, tu sais, mon oncle, lui, c'est arrivé la même chose cette année. Puis, tu sais, comme je le dis à tout le monde, prenez soin de vous, même si des fois, ça peut arriver puis on s'en attend pas, tu sais. Exactement. C'est vrai pour ce joueur-là. Ben, moi, je l'ai pas connu parce que dans le temps, quand j'étais jeune, je suivais pas le hockey. Mais, c'est vrai. Je pense qu'il y a eu un petit problème avec le StreamYard live. Ouais, il y a eu un petit problème. Bon, pas de stress. Là, tu m'entends-tu? Ok, pas de stress. Ok, on va passer à la prochaine question. Dans les catégories de podcasts, c'est quelle catégorie que t'es le plus intéressé, que ça t'intéresse le plus? Ben, on parle de catégories, là. On parle pas de podcast, on parle vraiment des catégories. Ouais, on va leur dire, exemple, comme Mike Ward ou des podcasts de hockey, dans le fond. OK, ben, tu sais, comme Mike Ward, il est dans la catégorie humour. Mais tu sais, effectivement, tout ce qui est podcast humoristique, que tout ce qui est podcast éducation, puis c'est tous des podcasts qui m'intéressent beaucoup, mais tu sais les podcasts plus précisément qui m'intéressent, c'est surtout dont tu sais Mike Ward effectivement c'est un incontournable, mais j'aime beaucoup aussi Couple ouvert avec Thomas Levac, j'aime sans filtre avec PH Quentin qui est un très bon podcast, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont des invités qui fait découvrir qu'on connaît vraiment pas. Qu'est-ce qui est le fun aussi là-dedans, c'est que il est constant aussi dans son delivery, dans son comment je pourrais dire, il est constant dans ça bug-tu pas mal? Je pense que ça bug pas mal. Right? Bon.
Excusez-moi, il y a eu un petit bug, c'est pour ça. On est revenu, c'est cool. On est revenu. Ouais, c'est ça, je pense. Mike Ward, je pense, c'était un des podcasts que tu aimais beaucoup, je pense. C'est le podcast que j'aime le plus. Moi, je l'ai commencé quand c'était sur Zoom, là, vraiment sur Zoom à distance, quand il a commencé avec les humoristes. Moi, j'ai écouté ça de long et en large, puis même aujourd'hui, c'est un classique. Là, dès qu'il y a un épisode qui sort, c'est sûr dans ma semaine, je vais finir par l'écouter. Mais j'ai découvert d'autres podcasts aussi vraiment intéressants. Depuis quelques années, là, tu sais, comme je disais tantôt, je sais pas si ça avait bugué avec ça puisse rentrer, là. Mais tu sais, le couple ouvert avec Thomas Levac, c'est vraiment intéressant. Le sans filtre avec PH Quentin aussi, c'est un incontournable parce qu'il y a des invités qu'on s'attend pas, puis c'est des invités qu'on connaît pas non plus. Fait qu'il fait découvrir vraiment des beaux invités. Il y a le WhatsApp podcast avec Jerry Allen qui est vraiment malade. Lui, c'est pour vrai, je pense que c'est un des meilleurs côté booking d'invités, là, c'est l'enfer, là, c'est toutes des invités vraiment ça accroche. Puis le Daily Buffer podcast avec Yann Thériault, qui est le technicien, en fait, le réalisateur de Sous-Écoute. En gros, c'est les incontournables pour moi, mais tu sais, j'adore découvrir toute forme de podcast. Les True Crime aussi, qui c'est vraiment intéressant, là. Avec Victoria Charlton, je sais pas si c'est qui Victoria Charlton, c'est une fille en fait qui fait ses podcasts en fonction du true crime. Fait que tu sais, elle parle d'une histoire où elle rencontre des personnes qui ont vécu, mettons, des histoires, je vais dire pas d'horreur, mais tu sais, un décès d'un proche d'une façon comme vraiment horrible. Fait que c'est vraiment intéressant. Ah, voilà. Ah! Yes, prise 69. Prise 69. Ouais, c'est ça. Ouais, excuse-moi si ça a bugué un peu. Ok. Je sais que côté podcast, je sais que j'aimais bien le podcast de Drôlement Inspirant. J'avais déjà regardé ça sur. Ben, je sais que je n'ai pas regardé ça, mais je sais que j'en avais entendu parler, dans le fond, de lui, qu'il y a eu des podcasts qui avaient l'air intéressants. Sinon, je sais que j'aime bien écouter un peu des podcasts comme un peu sur la bande. Je sais que j'écoute aussi un peu à la coupe aussi, Hockey Fan 514. C'est connu, dans le fond. Après ça, je sais que j'avais entendu parler aussi de la poche bleue aussi, qui est quand même pas mauvais, et que je trouve quand même bien aussi. Fait que c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Je sais pas si ça bug encore de ton côté, si ça semble se replacer. Là. On va s'excuser aux personnes qui écoutent. C'est pas évident quand à distance comme ça, des fois ça bug souvent. Là, mais pour répondre à ce que tu disais, là, moi, le podcast de Drôlement Inspirant, c'est pas vraiment un podcast qui m'attire beaucoup. Mais cela dit, c'est pas fait pour tout le monde. Pourquoi qui m'attire moins, mais c'est pas par rapport à la personne, loin de là. C'est juste quelque chose qui me rejoint moins par rapport à tout ce qui est motivation et ce genre de choses-là.
moi, c'est que, en fait, je m'explique, c'est que j'ai l'impression justement d'avoir comme à écouter quelqu'un qui me vend du rêve, là. Je vais dire ça de cette façon-là. fait que, en gros, ça ressemble à ça, mais ouais, des podcasts, j'en mange, j'en écoute beaucoup, j'essaie d'en découvrir le plus possible, puis ça permet aussi d'améliorer le contenu qu'on souhaite publier sur les réseaux sociaux, là, autant YouTube, Spotify et tout le reste, là. Ça permet de se positionner un peu dans ce qu'on veut faire, même si le but ce n'est pas de copier un podcast en soi. Je pense que ça l'aide de trouver sa propre couleur aussi. Mm-hmm. C'est vrai. Je sais que beaucoup de podcasts, comme un peu avec Sur la bande, je sais qu'ils ont souvent des segments comme un peu la mise en échec, mise au jeu. Ouais, exact. Ça c'est quand même original comme moi aussi je sais que pendant l'épisode je vais aussi chaque épisode je vais tout le temps lancer une petite blague de la semaine pour ça là, dans le fond. Ouais, c'est une originalité dans le fond. OK, ouais, ben des fois, c'est ça, c'est de se fier à quelque chose, mais surtout, il faut vraiment trouver sa couleur, là, c'est ça qui est le plus important. On va passer à la quatrième question. Quelle équipe que tu penses qui va repêcher Connor Bedard cette année? Eh, mon Dieu! C'est une très bonne question, puis c'est une question qui m'a pas été posée par sur la bande quand j'ai fait leur podcast d'emblée. Faut savoir que j'ai joué au hockey toute ma vie, j'ai suivi le hockey toute ma vie, mais mm-hmm. ça fait vraiment un très très longtemps que j'ai pas suivi le hockey à la loupe. Je sais même okay. pas en fait quelle équipe prochainement qui va être le first pick overall, mais c'est sûr que j'aimerais beaucoup qu'il soit avec le Canadien, ça je le cacherai pas. Je pense que le Canadien aurait besoin d'un joueur d'impact, mais en même temps, est-ce que ça va se faire? Je ne crois pas. Mais je te poserai la question okay. par contre, vu que tu es pas mal plus ancré dans cet univers-là, plus que moi. Là. Les Ducks d'Anaheim, ils font tout pour. Chicago, je sais qu'il y avait vidé l'équipe pour aller chercher Connor Bedard, dans le fond, pour aller le chercher. Ça pourrait être soit un des deux. C'est possible que ce soit un des deux, dans le fond. Ou à moins que ça soit un autre aussi. Ouais, ben on sait jamais comment que ça peut comment le vent peut tourner là, tu sais, on sait pas, on sait vraiment pas, mais tu sais, c'est sûr que ce serait vraiment profitable pour là c'est con à dire là, tu sais, le monde m'a dit ah, il connaît pas son hockey. Effectivement, ça fait un bout que j'ai pas suivi le hockey, mais tu sais, je sais que le Canadien en arrache, puis c'est un joueur de même qu'il faudrait pour brosser un peu à cabane. Ça lancerait peut-être un petit message aux jeunes qui sont là puis qui se traînent un peu les jambes dans la patinoire là, ça ferait peut-être du bien. Oui. Puis, non seulement ça ferait du bien un joueur de même, mais un petit ménage aussi, ça ferait pas de tort. Là. Effectivement. Je sais que Montréal, ils ont peut-être aussi des chances cette année. Le Canadien, il commence aussi à descendre aussi cette année. Fait que c'est possible que Montréal puisse le repêcher, là, Connor Bedard. Ouais, ben tout peut arriver et on sait jamais. Là, comme je dis, le vent peut tourner de tous les sens, là, surtout dans cette game-là. Là, okay, la NHL, là, c'est une grosse business. Ils se brassent plein d'affaires. Fait qu'on ne sait jamais là, comment ça peut changer. Là. Exactement. On va passer à la prochaine question. Dans tous les invités que tu as eu dans l'épisode de ton podcast. Quel invité as-tu le plus aimé avoir, dans le fond? Quel invité que tu as été le plus content d'avoir, dans le fond? Eh mon Dieu, ça a été une question qui m'a été posée, mais j'ai tout le temps de la difficulté à répondre parce que chaque invité que j'ai, ça a tout le temps été des expériences
différentes à chaque fois. Les, tu sais, c'est toutes des personnes différentes qui ont tout le temps le cœur sur la main parce que, pour vrai, depuis le début, je suis vraiment chanceux. Ils me disent oui tout de suite. Puis, tu sais, j'ai, pour vrai, là, je vais toucher du bois, là, parce que même le premier épisode, là, je m'attendais même pas qui me disent oui rapidement. Là. Tu sais, j'ai reçu le premier épisode, le docteur Alexandre Hudon. Ça, c'est un docteur en santé mentale. Puis, Colin, ça n'a pas été long. Là. Ça a été booké, ça a été fait. C'est là que ça a donné le ton à mon podcast. Mais pour vraiment répondre à la question plus précisément, là, je pense que mon préféré, ça a été Steven Bilodeau. Ça, c'est particulier. Je le sais, parce que je le dis souvent, je pense qu'à chaque presque apparition que je fais, là, mais il y a vraiment un côté humain. J'ai de la difficulté à trouver les mots pour le décrire, mais son côté humain, là, tu sais, quand on dit une personne humaine, là, c'est le mot qui va le décrire, là. Il m'aide pour plein de choses aussi, fait que c'est ça qui est vraiment, vraiment plaisant. Mais récemment, j'ai eu, ben, en fait, l'épisode qui est actuellement disponible avec Charles Deschamps, j'ai découvert une personne, parce que, tu sais, le concept de mon podcast, c'est avoir des personnes passionnées, mais qui vont discuter aussi de tout ce qui est difficile, qu'est-ce qui est facile dans leur domaine, puis dans leur cheminement hors du commun. Mais Charles Deschamps, c'est non seulement une personne fascinante, mais son parcours, il est vraiment impressionnant. Tu sais, il est parti un professionnel en BMX, puis il a créé le Bordel Comedy Club à Montréal. C'est son deuxième bar, puis c'est quand même de quoi de très, très gros. Là. Lui, il a dit, je suis parti sur une lignée que j'avais absolument rien. Puis là, je me rends à être humoriste, propriétaire d'un bar. Et c'est capoté. Là. Fait que son parcours m'a vraiment marqué. Puis je pense qu'il va être marqué pour très, très longtemps. Ah, ben c'est parfait, ça. En tout cas, c'est vraiment bien. Moi, honnêtement, comme je sais que je l'avais dit, je sais que j'écoutais, ben, je sais que la raison pourquoi est-ce que j'avais fait ça, ben, c'était un peu grosse à Seb, je sais que j'en avais parlé dans l'épisode, mais à part ça, ben, honnêtement, je sais que j'avais checké ça un peu, tes podcasts, c'est des sujets un peu, ben, c'est des sujets très intéressants, pour vrai. J'avais pas tout écouté tes podcasts, mais ça semble être très intéressant, tes sujets, pour vrai, puis... Ouais, ben moi la game là-dedans, c'est que tu sais, moi pour moi c'est un parc d'amusement. Moi je m'amuse là, je trippe, je trippe au bout. Moi quand la caméra à part là, la première fois je t'avouerais que quand la caméra à part, hostie, je cherchais mes repères là, vraiment, je cherchais mes repères, puis j'étais comme je me disais dans ma tête dans quoi je me suis embarqué. Mais une fois que c'était fait, puis une fois que le monde te donne des bons commentaires, c'est là que tu pognes encore plus la piqûre, puis Chris, j'en ferais à toutes les estis de jour, là. Si j'avais l'opportunité, je dirais peut-être pas que je voudrais vivre de ça, mais si ça serait possible que je vive bien de ça, c'est sûr que je le ferais sans hésiter. Mais moi, là-dedans, là, je trippe au bout, puis mon concept, le monde ne catche pas tout le temps, parce qu'ils disent « Ouais, mais tu reçois tout le temps des humoristes. » Ouais, mais chaque humoriste a un parcours différent. Chaque humoriste a un cheminement de vie différent, où ce que ils ont passé par toutes les gammes d'émotions, autant des affaires qui sont vraiment en fière, autant des échecs. Il y en a un, là, humoriste, que j'ai parlé, qui l'épisode qui va sortir cette semaine, demain d'ailleurs, lui, là, il a passé vraiment par toutes les gammes d'émotions. Il a actuellement un traumatisme crânio-cérébral. Il a été SDF. Fait que c'est tout ça qui fait que, oui, c'est des humoristes, mais leur parcours sont tous différents. Autant chacun a de quoi apporter que leur parcours est différent. Ah, ben, c'est bien ça. Ben, je sais que j'avais déjà vu ça, qu'il y avait eu des humoristes, je pense, que... il n'avait pas eu facile. Je pense que j'en ai déjà entendu parler. Mariana Mazza, je pense, ça n'avait pas été chanceux quand elle était jeune, je pense. Quelque chose de même. Ouais, ça se peut que Mariana Mazza n'a pas été. Tabarnak, j'ai eu déparlé, mon gars, en disant son nom. Je l'ai débaptisé, esti. Ça se peut que Mariana Mazza n'a pas eu un cheminement facile. Je la connais pas, cela dit, je l'ai pas eu à mon podcast, mais moi, la personne que je parlais, c'est Louis Dumas. Lui, il a pris un break en ce moment parce que lui, il a encore son podcast, c'est juste qu'il a arrêté pour un certain temps, là. Fait que lui, il a son podcast, il frôle les planches un peu, puis il fait une couple de petites scènes d'humour par-ci par-là.
Mais c'est ça, c'est son parcours qui m'a vraiment accroché avant de me dire que je l'ai pris pour un humoriste. Le trois quarts de mes podcasts, c'est des humoristes. J'essaie de faire un peu changement de temps à autre pour justement me sortir de ma zone de confort. Parce que avec peu importe l'humoriste que tu vas mettre en avant de moi, je considère que j'aurai aucun stress parce que je connais leur vibe, je sais à quoi m'attendre. Puis en plus, ben, tu sais, moi, chaque fois que je les rencontre, je les prends comme mes chums, même si je ne devrais pas nécessairement. Mais tous les humoristes que j'ai reçus sont tellement le fun. Que tu prends le tout premier que j'ai eu à lui que j'ai eu tout récemment, c'est toutes des personnes super le fun. Puis j'ai encore l'intention d'en avoir, ça, c'est sûr et certain. Mais tu sais, j'essaye de varier un peu. Prochainement, je vais avoir un groupe de musique d'ici qui se nomme Résonance Phoenix. Résonance Phoenix, c'est un groupe de musique qui est actuellement en construction, là, je vais dire ça de même. Puis je les ai pris parce que c'est des gars très, très passionnés. J'ai jamais vu des gars autant passionnés de même. Puis c'est pour ça que je les ai pris. Mais je vais revenir encore dans mon pattern d'humoriste. Je vais revenir là-dedans. Je ne sais pas si Seb t'en avait parlé, mais moi, j'ai ma soirée d'humour à Val-d'Or qui est débutée depuis le 18 décembre. Puis à partir de là, je vais faire mes podcasts en live avec les humoristes que je vais recevoir. Fait que d'une part, je peux pas changer ma trajectoire, changer mon chemin des humoristes. Je suis là-dedans, puis je vais y rester. Mais je fais changement de temps à autre là, pour découvrir d'autres personnes. C'est bien ça. Parfait, ça. La prochaine question. Ça va être dans le hockey. Quand tu suivais le hockey, dans le temps que tu suivais le hockey, quelles étaient tes équipes préférées? Moi, j'ai toujours aimé l'Avalanche du Colorado avec Joe Sakic. Je l'ai adoré. C'est un joueur aux multiples talents, puis je l'ai toujours aimé. Bon, c'est sûr que j'en avais plusieurs équipes. Comme un temps plus jeune, je trippais au bout sur le hockey. J'ai joué au hockey très, très longtemps aussi. Moi, j'ai arrêté à 22 ans de jouer au hockey. Mais sinon, tu sais, l'équipe qui m'a vraiment marqué, je pense, c'est ça, avec Joe Sakic. J'étais à un moment donné dans une pause où j'ai vu un petit peu Patrick Roy, tu sais, fait que c'est toutes des affaires, des beaux souvenirs. Mais je sais pas si tu parlais juste de la Ligue nationale. Tu parlais-tu juste de la Ligue nationale? Juste la Ligue nationale, ok, c'est ça. Ben, en gros, c'est ça. Ce serait l'Avalanche du Colorado. C'est sûr que le Canadien reste le Canadien. T'sais, on peut pas mettre le Canadien de côté. Là, tu sais, je suis au Québec. Le Canadien fait partie de la culture québécoise. Là, je veux dire ça ainsi. Effectivement. Ouais. Ben, je sais que parlant de ça, l'Avalanche du Colorado, dans le fond, c'était les anciens Nordiques auparavant. Exact. Ouais, c'est ça. Je sais que moi, sincèrement, un petit retour des Nordiques, j'aimerais bien ça pour vrai, que ça arriverait. Quand, je ne le sais pas. On avait entendu beaucoup parler de ça, mais je ne sais pas c'est quand que ça va arriver, le retour des Nordiques. Mais sinon, ça serait le fun, un petit retour des Nordiques. Peut-être une bataille canadienne-nordique. Ça fait des années qu'ils disent que les Nordiques, qu'ils veulent le retour des Nordiques. Il y en a aussi qui écrivent sur les réseaux sociaux, qui réclament les Nordiques. Mais Gary Bettman, je sais pas pourquoi, déteste tout ce qui est le hockey au Québec. Le Canadien donne beaucoup de profit à la NHL, on se le cachera pas aussi. Mais avoir les Nordiques, ça serait que profitable parce que oui, ça serait bon pour la business, ça serait bon pour l'économie, mais la rivalité canadien-nordique, moi, je ne l'ai jamais vue, mais ça a l'air que c'était quelque chose. Là. OK. Moi, je sais que les Nordiques, dans le fond, avant qu'il quitte la nage, ben, en voulant dire, j'ai pas connu les Nordiques parce que dans le temps que les Nordiques étaient, disons, partis, j'étais pas encore au monde. Dans le fond, quand ils ont déménagé au Colorado, il y avait déménagé en 95-96, dans le fond. Puis dans le temps, ben, c'était un petit peu avant que je sois né.
Mais en même temps, c'est plate que j'ai pas connu ça, dans le fond. Mais c'est sûr que si ça arriverait, je serais content. Mais on entend beaucoup parler de rumeurs de tout ça, que les Nordiques reviendraient, mais finalement, ça arrive pas. Ben, Mais malheureusement. ça fait longtemps qu'ils en parlent de ça, de cette rivalité-là, le monde réclame cette rivalité-là depuis longtemps. Mais, Effectivement. tu sais, est-ce que ça va revenir de sitôt? Je le sais pas. Tu sais, je suis pas Je sais devin, pas. puis je suis pas un expert, puis même les experts sont pas prêts à s'attarder là-dessus non plus, mais on le souhaite pardon, on le souhaite parce que, tu sais, ça amène beaucoup de choses à la NHL aussi, mais Gary Bettman semble être difficile. Fait que, on ne sait pas. Ouais, Yeah. c'est Ouais, non, c'est ça qui arrive, là. Et ouais, on va passer à la prochaine question. Pour ton podcast, où est-ce que tu Là, ça a bugué, je sais pas. Tu peux-tu répéter la question, s'il te plaît? OK. Dans un an, où est-ce que tu vois ton podcast? Moi, je vais jamais. Je regarde dans le temps, mais dans un an, on ne sait pas. Mais moi, tout ce que je souhaite, c'est que mon podcast, non seulement moi, je vise la constance. Fait que je veux que même dans un an, il soit actif. C'est la première chose, mais j'aimerais beaucoup, mais beaucoup avoir mon propre studio puis réaliser mes podcasts vraiment en studio. Parce que là, en ce moment, tu sais, je gravite un peu dans tout ce qui est Studio SF à Montréal. Je l'ai fait en ligne, puis je l'ai fait aussi dans un studio proche de chez moi. Mais j'aimerais vraiment OK. studio où ce que je pourrais vraiment avoir mes couleurs puis rester dans un endroit où ce que le monde vont pouvoir s'approprier mon podcast, c'est-à-dire que quand ils vont voir le décor, ils vont être comme chez soi, là, je veux dire ça ainsi, mais j'aimerais beaucoup ça, puis je travaille fort aussi pour que mon podcast soit devant public à la soirée d'humour que j'ai réalisée. On va avoir la deuxième soirée le 24 février avec Monsieur Radis, que j'ai très hâte de revoir d'ailleurs. J'ai fait un épisode avec lui, numéro 5, dans mon podcast, si le monde veut aller le voir. Puis c'est vraiment une bonne personne. Puis là, je discutais avec lui, puis je lui demandais si ça serait une bonne idée. Puis lui me disait que ça serait une excellente idée afin de propulser la soirée d'humour. Mais tu sais, j'y vais vraiment pas à pas, étape par étape. Mais les souhaits, c'est ça, là. Ça serait d'avoir mon studio, d'avoir ma soirée d'humour, parce que mon podcast va être produit en direct devant le public aussi. Mais pour l'instant, c'est comme je disais tantôt, je focus sur la constance. Jusqu'à date, je suis capable d'en mettre un par semaine, puis ça va bien. La qualité, es-tu là? Oui, des fois moins bon, tu sais, parce que à distance, des fois, c'est moins ça accroche, mais je me suis fait dire, tant que je mets du contenu, c'est plus important. Tant que je reste comme actif, tant que je reste par semaine, le monde va s'approprier quelque chose quand même. Mais tu sais, c'est vraiment étape par étape que ça se passe, là. Ah, OK, parfait, ça. Je sais que. On va lancer une petite blague de la semaine pour la deuxième saison. C'est quoi le crustacé le plus léger? Non. La palourde. Ah, elle est bonne. Ah, elle est bonne. T'as-tu été sur Google, t'as écrit Joke de papa, puis ça t'a sorti ça, ou bien? Ben, j'ai marqué blague drôle dans le fond. Ah, ben, crime. Au moins, t'as cherché une blague à quelque part, puis ça t'a donné de quoi de pas pire. Ouais, c'est bon. Moi, je vais te relancer la question. Par contre, ton podcast, toi, tu souhaites qu'il se rende où? Moi, ben, pour l'instant, je fais ça pour le plaisir. Mais pour vrai, ce serait le fun d'avoir ben, que ça progresse de plus en plus, là, dans le fond. Ben, tu sais, d'une part, on fait tous ça pour le plaisir, mais il faut surtout faire ça pour la passion, parce que tu sais, faut faire la distinction entre Effectivement. Faut faire la distinction entre le plaisir puis la passion, là, t'sais, au sens que C'est ça. le plaisir, des fois, va être comment je pourrais expliquer ça?
Tu sais, parce que faire ça pour le plaisir, je pourrais faire de quoi pour le fun, puis à un moment donné, pas prendre ça au sérieux, puis finir par comme abandonner le projet. Mais tu sembles vouloir quelque chose, tu sembles vouloir aussi donner de quoi de punchant, mettons, à ton podcast. Fait que je pense que tu sais, tu donnes l'effort, puis je suis sûr que ça pourrait mener à quelque chose de bien. Là, je dis pas que mon podcast il est meilleur que les autres, là, vraiment pas. Là, j'ai beaucoup de travail à faire de mon côté. Là. Mais tu me dis, tu sais, je pense que l'important, peu importe le podcaster qui va faire un qui veut réaliser quelque chose ou bien qui veut, mettons, propulser son podcast, c'est vraiment de prendre les conseils des bonnes personnes. Puis de les appliquer à la lettre, parce que c'est bien beau prendre des conseils puis de l'appliquer des fois oui, des fois non. Tu sais, faut vraiment, si tu le fais ou tu le fais pas, là, tu sais. Mais tant que toi, tu te rips puis tant que tu fais du fun, c'est ça le plus principal là-dedans. Ben, c'est ça. Ben, dans le fond, moi, je sais que j'ai checké ça. Hey, ça l'a encore buggé de mon côté. En tout cas, je ne sais pas si du tien, ça l'a encore buggé. OK. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que mon podcast, ça arrive que j'ai pas beaucoup. Je regarde ça, mais je me dis, pas grave, je fais ça pour ma passion, dans le fond. Tu as dit que toi, tu ne regardais pas le nombre d'abonnés, tu disais? Qu'est-ce que tu disais? Moi, le nombre de vues. Je sais que j'en avais pas beaucoup, ça arrivait, là. Mais je me dis, gars, c'est pas grave, je fais la passion. Faut vraiment pas regarder le nombre de vues, faut vraiment pas regarder le nombre d'abonnés. Faut que tu le fasses ça. Parce que tu tripes, faut que tu le fasses avec ton cœur, puis faut surtout que tu restes toi-même. Parce que si tu joues une game, le monde va le voir, puis ils vont pas s'approprier ce que c'est tu ça. Fais. Tu sais, moi, mettons, je suis quelqu'un qui sac tout le temps. Des fois, je parle comme un hostie de bûcheron, mais je suis authentique, puis je pense que c'est ce qui fait que le monde va apprécier mon podcast, tu sais, parce que moi, je me le fais dire, là, tu sais, puis c'est pas parce que je veux m'enfler la tête puis pas rentrer dans le code de porte, là, tu sais, le monde me le dit que je suis authentique, je reste moi-même, fait que si je commence à watcher mes mots, puis comme commencer à parler comme si je lisais un texte, ça marcherait pas, là. C'est ça. Ben, t'es pas tout seul, moi aussi, ça m'arrive de très. Ben, c'est ça, mais tu sais, faut pas que tu te gênes. Ben, faut pas que tu te gênes. On s'entend, là. Il y a des sujets que tu peux pas aborder, des plans de te faire cancel, là. Faut que tu fasses attention, mais sacré. Effectivement. Il y a plusieurs personnes qui sacquent dans la vie, là, pis tu sais, tu dis ce que t'as à dire, pis on s'en crisse, mais faut pas que tu commences à insulter des gens, faut pas que tu commences à parler de choses vraiment sensibles au point de que ça peut te jouer contre toi, mais tu sais, reste toi-même. Moi, c'est ça que je me fais dire tout le temps, reste toi-même, puis fais-toi du fun. C'est ça. Effectivement. Yeah. On va passer à la prochaine question. Dans la dernière question, je sais pas si tu suivais ça un peu, la Ligue junior majeure du Québec, dans le fond. Un petit peu là, mais c'est sûr que encore là, je suis tellement occupé que j'ai même pas le temps d'aller One Game d'hockey, là, imagine, tu sais, j'ai les foreurs ici, puis j'ai même pas été depuis 2 ans, là. Mais c'est sûr qu'il y a eu la pandémie, mais tu sais, comme là actuellement, je pourrais y aller, puis j'ai même pas le temps d'y aller, là. OK. C'était quoi ton équipe préférée de la Ligue junior majeure du Québec, dans le fond? Ah ben là, c'est sûr que j'ai pas un parti pris, là. Moi, ça a tout été foreur. Même que je pense que dans la une des raisons pour laquelle que j'ai décidé de jouer au hockey, c'est ça. Tu sais, quand mon père ou mon oncle, mon cousin m'amenait, mettons, jouer voir les foreurs, ça a comme alimenté un peu la raison pour laquelle que j'ai décidé de jouer au hockey. Ça, puis mon cousin aussi qui a joué très très longtemps puis a joué très haut niveau. Mais les foreurs, ça a été mon équipe. Je m'en souviens encore du temps dans 2001-2002 quand que Simon Gamache, Brendan Reed, puis ce monde-là jouait. C'était capoté à voir, mais tu sais, le temps de Christopher Le Temps, puis de tout ce monde-là aussi, c'était pas à
à mettre de côté. Là. Je pense que même que Christopher Letang a joué justement avec, un peu avec Simon Gamache et ces gens-là. Là. Ah, ok, ok. Moi, je sais que je suis pas tant ça. La Ligue junior majeure du Québec, ben, je sais que j'aime bien les remparts de Québec, mon coin, l'Océanique de Rimouski. Je sais qu'aussi, j'aime bien aussi les Huskies de Royaume-Noranda. Grâce à un film, je ne sais pas si tu as connu le film junior majeur, dans le fond. J'ai connu Junior Major, j'ai même écouté Pee-wee 3D. D'ailleurs, j'ai eu un podcast avec l'humoriste Will Murphy qui a joué dans Pee-wee 3D. Fait que ça me dit encore plus quelque chose quand on en parle de même. Là. Ah, ok. Ah, c'est parce que dans le film, j'aimais bien Joey Boulet, dans le fond, dans le film Junior Major. Puis, commencer à m'intéresser un peu au ski, là, dans le fond, c'est pour ça. Ok, ok, ouais, non, c'est ça. Ben, c'est un très bon film, puis effectivement, tu sais, comme toi, ça t'a permis de découvrir une équipe, mais tu sais, pour les jeunes qui écoutaient ça, ça l'amène ailleurs, au sens que, tu sais, il y en a des jeunes qui se sont vus dans le junior majeur, outre qu'avec ce film-là aussi, en regardant des équipes de la Ligue junior majeure, mais ce film-là a fait rêver beaucoup de jeunes aussi. Là, ça a été un film très, très convoité et très connu à ce jour aussi. Tu sais. J'ai déjà vu que je sais que puis le film Pee-wee 3D, je sais qu'il y avait des filles, je pense, au film Pee-wee 3D, parce que je sais que le goaler dans le film Pee-wee 3D était une fille, dans le fond. Ouais, exact, t'as raison. Je m'en souviens plus du nom de la comédienne en question, mais... C'est Alice Morel-Michaud. OK. Ah, ben, tu m'apprends quelque chose. Je vais me coucher moins cave à soir, mais... non, ça a alimenté beaucoup de filles niveau hockey. Mais tu sais, dans mon temps aussi, il y en avait pas mal qui jouaient au hockey. Tu sais, moi, j'ai joué du simple lettre, mais j'ai aussi joué du double lettre. Là. J'ai fait les deux, puis même dans le double lettre, là, il y en a des filles qui étaient vraiment très bonnes, là, voire même meilleures que des gars, là, tu sais. Parce qu'ils ont du cœur dans le ventre, puis il y avait même plus de couilles que certains joueurs masculins. Là, tu sais. C'est vrai. Après ça, ben, côté LNH, mon équipe préférée, c'est les Oilers d'Edmonton. Parlant de ça, je sais que j'ai un chandail de ça. Ben, c'est une bonne équipe, ça, les Oilers. Bonne équipe. Moi, j'ai tout le temps dit que McDavid est là et il fait un gros changement. Je me suis amusé à dire aux gens, imaginez un peu les Oilers sans McDavid. Ou imaginez les Oilers dans le temps avant que McDavid arrive. C'est vrai. Moi, je m'amuse à dire ça aux gens. Tu sais, c'est pour vrai, c'est une comète, ça glace ce gars-là, first. Il y en a qui le comparaient au talent de Wayne Gretzky, voire même plus rapide. Moi, je pense que je suis prêt à dire qu'il est plus rapide. Il n'a pas accompli tout ce que Wayne Gretzky a accompli actuellement, mais il est encore jeune, puis je suis sûr et certain que ça va venir. D'ailleurs, en parlant de Wayne Gretzky, on peut même parler d'Alex Ovechkin qui va dépasser largement Gretzky s'il continue dans cette cadence-là. Là. Il va finir par le dépasser. Parce que là, je pense récemment, il avait dépassé Mike Bossy. Gordie Howe aussi, il avait dépassé. Gordie Howe aussi, fait que, c'est même un autre joueur qui est vraiment. Gordie Howe, je l'ai jamais vu jouer, mais tu sais, tout ce qui est dans le temps de mes parents, mon oncle, etc., c'est un joueur qui était idolâtré au bout. J'aurais aimé ça le voir jouer, mais tu sais, bref, pour revenir à Ovechkin, c'est un joueur qui va briser plein de records, puis il va se rendre au temple de la renommée plus vite qu'on le pense. Effectivement. Ben, je sais que Ovechkin, c'est un joueur qui est très compétitif. Hein. Il a gagné une Coupe Stanley, il a gagné un trophée Maurice Richard. Il a fait son argent. La seule chose qui lui reste, c'est dépasser Wayne Gretzky côté but. S'il va le dépasser, selon moi, oui. Il y a des bonnes chances. Honnêtement, je pense que c'est juste ça qui lui reste, puis c'est ça. Là. Ouais, définitivement. Moi, je m'en souviens qu'il y avait dans une entrevue, là, ça fait longtemps. Là.
Il avait dit mon but dans la Ligue nationale, c'est la Coupe Stanley, mais comme d'autres joueurs, moi j'ai une grosse différence, c'est que je vais voir plus loin, puis la Coupe Stanley, je sais que ce ne sera pas assez. Puis il se disait qu'il se donnait des objectifs pour se rendre au-delà des records que les gens ont battus dans les dernières années. Puis jusqu'à date, les babines suivent bottines. ça va aller très vite. Je suis pas mal sûr que prochainement, on va avoir d'autres nouvelles de lui. Puis on va finir par voir qu'il a tout battu les records. Là. Ah ouais, je pense que oui. Oh ouais, clairement. Je suis sûr et certain. Oh ouais, c'est sûr. Bon, ben, ceci conclut la fin du premier épisode de la deuxième saison. Merci, Corby, d'avoir venu. Ça fait plaisir. J'espère que ça ne l'aura pas trop buggé. On a eu de la difficulté à plusieurs reprises. J'espère que le résultat va être quand même intéressant. Mm-hmm. Ah, ben, c'est bien ça. Chic aussi, je vais sûrement regarder tes podcasts pour voir ça, là. Ça m'intéresse pour voir ça, là. Okay. Ben, vas-y fort, puis moi j'invite les gens à aller découvrir mon contenu là, sur ma chaîne YouTube, mais aussi d'aller me suivre sur Facebook, Instagram, puis ben, les autres plateformes. T'sais, pas, parce que pour eux autres, ça fait pas une grosse différence, mais pour moi, ça en a fait une très belle, puis moi, ça me permet d'avoir une certaine visibilité. Oui, je l'ai dit au début, c'est pas pour ça que je le fais, c'est vrai, là. Mais la simple raison que je dis ça, c'est pour me permettre justement de me faire voir envers certaines personnes que je souhaite recevoir. Mais sinon, moi, je me fais tout simplement du fun, puis je trippe au bout de faire ça. Fait que je remercie surtout les gens de m'écouter à chaque semaine, mais j'invite aussi les gens à me suivre. Parfait, ça. Bon, ben, yes, salut, bonne soirée. Yes, sir. Salut. Yes, bye. Bon, c'est la fin de la première épisode du podcast Le Match Ultime, donc la saison 2. Donc, pour le prochain épisode, on vous tient au courant pour ça. Fait que sur ce, ciao!